Ezio. Par ici. Ezio, viens par ici. Ezio. Qui est là? Ezio. Leonardo. Je savais que c'était toi qui t'étais introduit au château. C'est bon de te revoir, mon ami. Dans mes bras. Pardonne-moi. Les Borgia ont réquisitionné mes services. En fait, ils ont menacé de me tuer si je refusais. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Des machines de guerre. J'ai fabriqué beaucoup d'armes pour les gardes des Borgia, ainsi que bien d'autres atrocités. Elles sont très bien conçues, Ezio. Regarde, voici les noms des Templiers chargés de la construction. Cesare va équiper toute son armée avec mes créations. Il faut les détruire. Grazie. Je vais me charger des plans et des machines. Mais j'ai des nouvelles plus inquiétantes encore. Ils ont... la pomme. Oui, je sais. Je l'avais remise à Mario. Je suis navré, Ezio. Cesare me l'a confié pour que je l'observe, que je l'étudie. Mais Rodrigo me l'a prise. J'ignore où elle est. Je finirai par la retrouver. Leonardo, j'ai perdu toutes les inventions que tu avais créées grâce au Codex. Je peux toutes les reproduire, je n'oublie jamais un croquis. Mais tu vas devoir me défrayer pour les matériaux. Vraiment? Tu es donc si mal payé que ça au Vatican? Très mal. Très très mal. Si nous collaborons, nous ne pouvons pas éveiller le moindre doute. Quoi? Une main? Elle indique là où tu dois t'asseoir. Alors assis-toi. Oui, maestro. Si tu as besoin de mes services, tu dois repérer les bancs marqués à la craie. Desmond, j'ai scanné la position de Léo sur la carte. Tu pourras le suivre à chaque déplacement. Pour te synchroniser avec Ezio, tu vas devoir détruire les machines de Léo. J'ai indiqué l'emplacement des Templiers qui supervisent leur construction. Je mettrai la carte à jour quand les machines seront localisées. Il te faut autre chose? Reviens bientôt. Plus rien ne sera hors d'atteinte.